Yo, salut, c'est Lichard et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va tester un nouveau contenu avec le frérot. Donc, c'est un nouveau projet. Voilà, classique. On se retrouve à la fin de la vidéo pour que je t'en parle un peu plus. Banks, n'oublie pas de t'abonner, de lâcher un like. Banks. Hey. Yeah, let's go. I'ma make a couple stacks, do exactly what I want to. Mix a couple tracks. Nouvelle vidéo. Bon, là, du coup, on va vous montrer le petit bijou que mon frérot, juste ici, il a ramené, il s'est acheté. Bon, pour l'instant, là, on va aller se garer tranquillement pour éviter les fourmis-coups. Say I'm lucky, others saying that I'm blessed. But I keep my head down, cause I crave progress. You ain't never gonna stop me, cause it's my conquest. And I'm never gonna rest. Du coup, Moulin de la Roche, à Tiflauge, Vendée. Le frérot. Bon, c'est grand frère, ça se voit pas en taille, mais c'est pourtant lui grand frère. Du coup, là-dedans, dans ce canetard-là, il y a sa moto. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? La marque déjà? C'est une Kawa. Une Kawasaki, couleur verte, cylindré. On est sur un 6,50 cm3 monocylindre. Monocylindre, ok. 4 temps, 2 temps, j'imagine que c'est un 4 temps. 4 temps, refroidissement liquide. Voilà. Bon, on a un mec qui s'y connaît beaucoup plus en mécanique que moi. Donc, la vidéo, c'était pas terrible si c'est moi qui parle. La couleur? Vert, vert classique. Vert origine. Combien de kilomètres? Elle a environ 26 000 km. Pour une moto de 93, ça fait pas beaucoup. Donc c'est plutôt bon pour le moteur, à vérifier après. Donc après on verra tout ça, on vous expliquera ce qu'on va en faire, enfin ce qu'il va en faire du coup. C'est son projet, moi j'ai juste filmé. Bon, tu as participé. Oui, bah oui, il va mettre mes larmes à la patte. Parce que j'enlève ce grand poil qu'il y a dans cette main. On fera première vidéo. Donc du coup, t'as été la chercher aujourd'hui la moto? Ouais. T'as été la chercher à Nantes, comme tu me disais. C'est ça, à Nantes. Donc on vous parlera des prix après, parce que je sais que ça vous intéresse. C'est vrai. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je pourrais ajouter au passage? Pour donner une petite idée avant avant qu'on la montre, c'est sur... on n'a pas parlé du type. Le type, ouais, c'est un trail. Donc trail, c'est... On peut maintenant, en plus moderne, on appelle ça un enduro. Donc l'enduro, c'est une crosse avec des phares. Ouais, c'est ça. C'est, grossièrement, c'est comme ça. Une crosse homologuée route, entre guillemets. Donc c'est parti, on va regarder la bête, ce que vous attendiez depuis le début. Putain, ça marche fort. Today.
Yo, me revoilà les gars. Bon, du coup, de ce que t'as pu voir, je t'avoue, ça paraissait pas si ouf. Hein. Mais t'inquiète, on a prévu plein de trucs avec le frérot, plein de nouvelles pièces, plein de nouveaux carénages, plein de trucs, une nouvelle peinture, une révision moteur. Ça va pas du tout ressembler à ce que tu viens de voir, mon gars. Donc je vais vous mettre des photos de ce qu'il a déjà pu bricoler étant jeune et des motos aussi qu'il avait, donc des meules, il y a un peu de tout. Donc voilà, je vous mettrai différentes photos. Donc franchement, moi j'ai pu l'aider à bricoler, j'ai pu participer et franchement c'est du travail super nif les gars. Donc là ça va être sale. Voilà les gars, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, à commenter et à partager toutes vos questions les gars concernant la moto ou autre, on y répondra du coup dans la prochaine vidéo, avec grand plaisir, on répondra avec le frérot, j'espère que vous avez kiffé, on se dit see you dans la prochaine vidéo, ciao.